Améliorez votre expérience sur Internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur Internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Est-ce que ce match contre Nantes à la Mosson, c'est une manière de déjà refermer cette saison et de fêter un petit peu quelque chose, fêter une fin de saison, on va dire? C'est un match important pour nous, pour aller chercher le maintien, s'assurer du maintien. Voilà, ça passe par une victoire contre Nantes. On sait que ça va être un match difficile parce qu'il reste sur deux victoires d'affilée aussi à l'extérieur. Ça peut être un match facile. Je connais Antoine et je sais qu'il va bien préparer son équipe pour les enquiquiner. D'autant plus qu'ils ont un calendrier hyper compliqué derrière et que du coup ce match ressemble pour eux à un match plus que crucial. Ouais, mais nous aussi, on est à la lutte comme les équipes qui sont derrière nous aujourd'hui. Et on a besoin d'une victoire encore pour assurer complètement notre place en Ligue 1. Ouais. Si comptablement, tu nous l'as dit, à Reims, c'est pas fait, on sent quand même qu'on avance dans le bon sens pour le maintien. Tes joueurs, tu les sens toujours concernés sur justement cet aspect comptable et que le maintien n'est pas encore assuré? Bien sûr qu'on doit rester concerné et puis il reste 4 matchs à jouer. Il faut les jouer à fond pour essayer de grappiller des places encore, si c'est possible. Voilà. Si on gagne les matchs, il faut qu'on ait cette ambition-là. Ouais. Est-ce que tu as fixé un objectif de place sur cette fin de saison? Non, pas d'objectif. C'est d'assurer le plus rapidement possible les points qu'il faut pour le maintien. Et après, continuer à gagner et à gagner des points. Tout simplement. Pour qu'on... Là, on a récupéré tout le monde. On verra qui c'est qui va démarrer. J'ai beaucoup de choix pour mettre une équipe sur le terrain. À moi de faire les bons choix pour continuer à gagner des matchs. C'est presque une situation nouvelle cette saison, que tu aies autant de choix possibles. Toi, ça te satisfait? C'est un bon problème? C'est mieux d'être comme ça que quand c'était avant la CAN et pendant la CAN. Voilà. Et même après la CAN, parce qu'on a quand même eu un gros trou et beaucoup d'incertitudes dans beaucoup de matchs. Dimanche, Moussa a marqué. Est-ce que ce serait comme un symbole que Accor retrouve le chemin défilé à la Mosson pour justement assurer le maintien vendredi? Moussa a marqué, tu m'as dit. Pardon. Oui. Et j'ai dit, est-ce que Accor, du coup, sera un symbole qui marque vendredi, après toute la période compliquée qu'il connaît là, pour justement assurer le maintien au MHSC? Ça me ferait grandement plaisir, oui, qu'il score. Vendredi soir, oui, ce serait bien pour lui, ce serait bien pour nous. Mais on n'a pas perdu confiance en lui. Hein. C'est un joueur qui a démarré le championnat lui au mois de mars dernier. Et il faut en tenir compte aussi. Il n'a pas eu de vacances et il n'a pas eu de. Il a eu une semaine d'arrêt cet hiver, c'est tout. Hein. Il faut le prendre en compte aussi. Sur les chiffres, c'est vrai qu'il ne marque plus, mais on sent que dans son utilisation, il permet aussi à tes ailiers de s'exprimer. Comment tu expliques justement son rôle et son positionnement? Qu'est-ce que tu lui demandes? Mais on lui demande de bien fixer la défense axiale et de libérer des espaces et de prendre des espaces aussi et tenir les ballons, ce
qu'il fait bien actuellement, je trouve. Il fait des bonnes prestations. Et il manque juste cette petite réussite pour conclure les actions et marquer le but qui le libérera un peu plus. Ouais. Mais on n'en doute pas, il va y arriver. À Reims, tu avais à nouveau utilisé Béchir au milieu, Béchir Omeradjic. Est-ce qu'en deux matchs et deux plutôt bonnes prestations entre Le Havre et Reims à cette position, est-ce qu'il s'est, dans ton esprit, immiscé dans la rotation presque des milieux d'une solution un peu de dépannage? Est-ce qu'il est devenu pour toi presque un vrai milieu? Non, on l'aime quand il joue derrière aussi. Il est capable de jouer derrière, il est capable de jouer un peu plus haut. Voilà, il a cette spécificité. Après, c'est moi qui décide s'il joue plus haut, s'il joue plus bas. Voilà. Et là, aujourd'hui, on a la concurrence partout, tous les postes. Voilà. Aux joueurs de bien finir la saison collectivement et que ce soit qui joue, qu'il amène son savoir-faire à l'équipe pour qu'on soit meilleur. Tu as dit tout à l'heure, Antoine peut nous enquiquiner avec son équipe de Nantes. Quels sont les signaux qui sont tes alertes en tout cas? Non, mais déjà, un match aller, on n'avait pas fait un bon match là-bas. On s'était fait dominer dans tous les domaines. Il y a une réponse à avoir de notre part. Et puis après c'est un match. Moi j'ai beaucoup de respect pour Nantes. J'ai grandi là-bas, j'ai appris le football de haut niveau là-bas. J'ai beaucoup de respect pour ce club, ce public. Mais on ne fera pas de cadeaux non plus. Eux, ils auraient été à notre place, ils n'auraient pas fait de cadeaux non plus. Et on va se battre pour gagner le match. Parce que on a besoin de points, ils en ont besoin aussi. Voilà. Ça va être un bon combat, j'espère. Ils ont quand même pris une très grosse défaite face au Stade Rennais dans un derby qui est important pour eux. Est-ce que la crainte, c'est aussi de les voir encore plus revanchards, déjà parce qu'il y a cette course au maintien, et en plus, quand on perd un derby... Non, mais on sait qu'ils vont avoir envie de continuer leur série à l'extérieur, et ils viennent de gagner deux matchs d'affilée. On sait que ça n'a pas été un match facile pour nous, mais à nous de garder le rythme qu'on a aussi depuis un moment, où, à part le match contre Paris, où on est passé complètement à travers. Même si on avait fait des bonnes choses dans le match, mais on avait pris 6 quand même. Moi, quand j'en prends 6, je suis pas bien. Vous avez retrouvé des certitudes à l'extérieur cette fin de saison. Est-ce que l'un des objectifs, c'est pas aussi de bien finir à la Mosson, de retrouver aussi des certitudes dans le jeu et d'être plus tranquille à la Mosson, plus serein? Oui, bien sûr qu'on a on n'a pas fait une bonne saison jusqu'à présent à domicile. On a gagné que 4 matchs. On devrait avoir 5 victoires, mais on nous a enlevé une victoire plus une pénalité de points. Voilà, c'est aujourd'hui on aurait 39 points quoi. Sur les 11 derniers matchs, ton équipe a au moins marqué un but. C'est 10 équipes dans le top 5 européen à avoir réussi cette performance, en tout cas cette série en cours. Comment tu expliques justement, même s'il y a eu des défaites quand même à chaque fois, tu parlais de Paris justement dans la reprise 6, comment tu expliques justement cette réussite quand même sur la durée d'avoir pu inscrire au moins un but sur les 11 dernières rencontres? Ben, on a retrouvé des joueurs offensifs qui ont un bon niveau et qui ont,
comme Nordin, qui est quand même notre très bon joueur offensif, qui déclenche beaucoup d'actions dangereuses pour notre équipe et qui est capable de marquer des buts, de faire marquer des buts. Voilà. C'est quand même. On a fait un début de saison correct avec les nouveaux arrivants, qui ont marqué des buts, que ce soit Moussa, Tamari et Adams. Voilà, après, il y avait Arnaud. Arnaud n'était pas là. Arnaud, il n'a pas été là pendant 6 mois. Et l'an dernier, quand on est arrivé, c'est lui qui avait aussi été très très bon. Et quand il n'y a pas Arnaud, l'équipe est moins forte, marque moins de buts. Et quand il est là, on est beaucoup plus performant. En face, dans cette équipe de Nantes, il y a deux anciens de tes joueurs, il y a Florent Mollet et Nicolas Cosa. Quel souvenir tu gardes de tes années avec eux? C'est deux joueurs de caractère. Oui, c'est deux joueurs qui ont fait un bon passage ici, un qui est plus jeune qui a été formé là et qui est parti après en Allemagne. Après Florent, il a fait un bon passage ici aussi, il a été bon, il nous a fait une belle saison ici aussi. C'est un bon joueur technique, mais aujourd'hui on est adversaire. Tu mettais l'accent tout à l'heure sur Arnaud. Est-ce que tu as l'impression de retrouver le vrai TJ Savanier cette fin de saison? Ouais, mais TJ, il a fait sa première année, il joue pratiquement tous les matchs. D'habitude, il en squeeze une dizaine. Là, il joue. Oui, il a eu des hauts et des bas, bien sûr, comme l'équipe cette saison. Hein. On a eu des hauts et des bas aussi. Pareil, collectivement, on a eu des hauts et des bas. Mais après, il a quand même une vision du jeu, une qualité technique de passe, de frappe, de vision du jeu qui est beaucoup instinctif pour lui. C'est un joueur. C'est un joueur de rue, quoi. Et il sent le football. C'est un très bon joueur. Et tu dis il a joué tous les matchs cette saison. Est-ce que tu as le sentiment que dans son jeu, il a aussi un petit peu mûri? Peut-être qu'il est devenu un peu plus sobre, peut-être un peu plus tourné vers l'efficacité. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un cap qui a été passé cette saison chez lui? Non, mais c'est un grand joueur. C'est un joueur qui est pétri de talent. Après, moi, je pense qu'il peut être encore plus constant, plus juste encore, par moment. Parce qu'il y a pas mal de matchs où il y a eu beaucoup de déchets techniques. Des fois, il force des passes, il veut faire des passes décisives de plus bas. C'est plus compliqué par moment. Mais s'il jouait un peu plus juste par moment, plus simple, je pense qu'il serait encore meilleur. Il serait encore plus efficace. Pour l'équipe et pour lui. Et puis, je voulais dire un truc par rapport à ce qui est sorti sur les réseaux sociaux là. Avec notre ami Bertrand Latour de l'équipe. Ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi pour moi. C'est n'importe quoi. C'est pas Der Zakarian qui décide des primes de match. C'est le président qui décide. S'il a envie de doubler, c'est lui qui sait. C'est le président qui paye. C'est pas moi qui décide des primes de match. Voilà. Tu payes pas les joueurs. Pardon? Tu payes pas les joueurs.
Non, c'est pas moi qui paye les joueurs, ne vous inquiétez pas. Alors, votre confrère là, il faudrait qu'il sache bien les choses avant de parler, quoi. Voilà. Ok. Donc, quand le président donne double la prime et que c'était pour le week-end dernier, pas pour Nantes, moi je le redis, Nantes c'est un club de cœur aussi, j'étais formé là-bas, j'ai grandi là-bas avec eux, et si je suis là aujourd'hui, c'est que ils m'ont fait bien travailler. Alors j'ai beaucoup de respect pour ce club. Alors c'est pas ce qu'il a dit là, que moi je triplais la prime si on gagnait contre Nantes. Il a tout faux. Ou alors il y a quelqu'un qui a parlé dans la vestiaire à ce monsieur et il a mal compris les paroles de Laurent Nicolin.